Alors attends, j'ai un bruit, tu sais, subliminal à te faire écouter, Camille, Vas-y. et je pense que ça peut te rappeler des souvenirs. Il est familier ce bruit? Je crois. Vous écoutez tous, hein, et toutes, hein. Soyez attentifs. Non mais celle de Moundir, elle fait plus de bruit quand même. Benji! Comment vas-tu, mon petit Benji? Ça, j'espère que ça s'en remis depuis quand même. Mais écoute, je lui souhaite quand même de s'en être remis. En tout cas. Elle ne peut plus s'arrêter. Elle ne peut plus s'arrêter. J'espère que sa vengeance à notre cher Benji Samat est arrivée. Qu'il est satisfait. Qu'il est heureux parce que tu as fait que 3 jours dans le programme. Et les téléspectateurs, ils sont super déçus. Je dirais même 2 jours et demi. 2 jours et demi? Mais franchement, je suis révélée lundi soir et je suis repartie mercredi. Heureusement que c'était pas en Australie. Oh, bah alors là, je suis restée. Je peux te dire, j'aurais tout retourné. Oh bah, je serais pas la cloche, tu lui aurais foutu dans la gueule. Et pas que dans la gueule. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec Camille Froment en interview demain, en toute intimité, pour débriefer sa très courte aventure dans les Marseillais vs le reste du monde 3. J'aime bien appuyer où ça fait mal. Oui, j'aime bien. Ouais. Et surtout, parler de son avenir. Et autant vous dire qu'on a beaucoup de sujets à aborder. À demain.